Tu as écouté la capsule de Daniel hier? Il a donné deux petits trucs très simples pour perdre du poids. Non, j'avais une réunion. Mais je peux te confirmer que ça fonctionne. J'ai déjà suivi sa formation il y a quelques années et je l'ai fait. Tu vois le résultat? Mon compagnon le fait toujours, lui. Tu es sérieuse? Bien sûr que oui! Tu demanderas à Philippe. Je veux bien croire. Tu n'as rien à perdre de toute façon. Exactement. Des témoignages comme celui-ci, il y en a par milliers. Et dans quelques temps, vous serez parmi les personnes qui motiveront les autres, tout en respectant une saine alimentation. Votre alimentation est importante dans le respect des énergies. Si vous consommez comme un ogre, en pensant que l'univers vous fera perdre le surplus de calories, c'est lui manquer de respect. Nous découvrirons dans quelques capsules d'ici que le respect est aussi une condition de l'univers dans la transmission de sa puissance. Revenons à la première formulation. Tout ce que je mange et que je bois me fait maigrir et je reste en parfaite santé. Avez-vous remarqué un point primordial? Vous donnez l'ordre que vous restez en parfaite santé et cela est des plus importants. L'univers pourrait vous rendre malade afin que vous atteigniez votre but. Il serait atteint, mais à quel prix? Avant de vous aventurer à faire différentes formulations, attendez. Il vous manque encore les 8 grandes lois. Et cela afin de vous éviter des revers déplaisants qui vous décevront et annuleront totalement votre motivation à poursuivre la démarche, bien sûr. Univers infini, rapetisse mon estomac immédiatement. Cette formulation peut aussi servir avant un repas. Ça ne peut pas nuire, en plus de la précédente. Mais j'attire ici votre attention sur la notion de temps. Immédiatement. Dans le cas présent, il est impératif de spécifier le temps, alors que dans l'autre cas, ce n'est pas nécessaire. L'univers enregistre tout ce que je mange et tout ce que je bois, ce qui signifie le temps présent, l'action du moment. En conclusion, ajoutons au graphique « pas de poids ». Et le tour est joué pour la série à mémoriser, ce qui est facile en se rappelant que les chiffres n'existent pas. L'exercice d'aujourd'hui. Avez-vous décidé de perdre du poids? Il est important d'avoir un esprit motivé pour avoir des résultats concrets. Sinon, vous ne le ferez qu'occasionnellement et les résultats seront nuls. Inscrivez sur la porte de votre réfrigérateur la formule. Ça servira peut-être aussi à d'autres personnes vivant sous le même toit. Vivez de merveilleux moments. Tu es sérieuse? Bien sûr que oui! Tu demanderas à Philippe. Je veux bien croire. Tu n'as rien à perdre de toute façon. Exactement.